Salut tout, on se retrouve pour un nouvel épisode. On est sur Man Eater avec notre dévoreur d'hommes. Bon, qui de temps en temps manque des petits poissons comme ça, mais parce qu'ils sont subtils, que j'ai plus la facilité de les mettre dans mon gosier, c'est pour ça. Shockingly, this was only Alex's second worst birthday. Huh. Happy birthday, Alex. Si, sûrement. Et apparemment, il y a eu pire. Oh, bah, il y avait un truc là. Ça a disparu à l'instant. Plein de trucs à manger là-bas. Mais comment y accède des... Probablement en sautant. Un lac où les tortues étaient toutes tranquilles. Pas vraiment toutes tranquilles. Un lac où... Deux. Ah, hein. 4-5. Vous êtes en nombre. Ah, j'ai déjà mangé toutes les tortues qu'il fallait. Elles m'ont fui, les tortues là. Moi, ça se fait qu'elles sautent sur le rivage. It's estimated that only one out of 1,000 sea turtles lives to adulthood. That means ouais, this turtle is terrible. Quite the survivor. Elles ont l'air bien mortes, les tortues. Peut-être parce que je les ai poussées. Je les ai peut-être poussées sans faire trop attention. Maintenant qu'elles sont mangées, qu'elles sont mortes, autant en profiter. Oh, ça c'est chaud. Première fois qu'ils me demandent de chasser des humains en hauteur. Ils sont peut-être plus faciles à attraper là-bas, mais on va commencer par cela. Passerelle, passe pas. Dans le petit lac, autant the sea wolf remains acutely aware of anything that might constitute food. By putting sharks in their place, hunters ensure they'll stay in their lane. So we don't have a Planet of the Apes situation on our hands. Well, I said to Dan, you better build that boardwalk high, because you just asking for a shark attack how you got it now. Didn't they listen to me? No, not at all. Il a vraiment demandé de construire la passerelle plus haute pour éviter les attaques de requins. Dans ce cas-là, il faut dire aux gens de ne plus aller sur les plages non plus. Attacks like this
humans can create an antagonistic frontier between humans and local fauna. Our cameras are capable of capturing previously unseen animal behavior. Unlike this, commonly seen animal behavior. Ah, il y a marqué petit bateau de pêche, mais en fait il y a des tireurs à bord. Occurs on the Gulf. Ah si, ça c'est un vrai bateau de pêche. Plus facile à choper, c'est celui qui est sur la proue à mon avis. Ça fait 138 quand même. Won't serve the bull shark's reputation well at all. J'ai attaqué au bateau de pêcheur. Ah, complètement intentionnellement. The shark, perhaps having gone too far with her pranks and hijinks, is now the subject of a county-wide shark hunt. Comment dire? J'étais conscient que c'était pas des blagues. Maybell. Elle a remis ses seins en place. Ça me tue. Je sais pas si c'est elle sur l'avant là.
Ouais, je pense. Celle que j'ai croquée là? Non. Donc elle est autre part. Mais je pense que c'est bien son yacht. Du coin, il ferait peut-être mieux de s'en aller. C'est pas bon de vivre dans le coin. Ah, je l'ai eu cette fois-ci? Non, toujours pas. C'est une femme qui parlait, mais. Ah, il est là le yacht. Le yacht encore. Ah. The situation has escalated and the price on the shark's head is risen. Ah, elle est là. Il prend conscience qu'elle était déjà morte alors qu'en fait non. Il y a une grotte. The peace of the grotto enables the shark to approach the world with greater confidence and effectiveness. Alors, j'ai l'impression qu'il y a trois kits. Donc osseux, bioélectrique et de l'ombre. Ah, il y a tigré aussi. C'est pas un ensemble, d'accord. Donc je pourrais décider de me spécialiser dans une de ces choses là. Alors, portée des éclaboussures, dégâts d'attaque caudale, force d'attaque caudale. Je sais plus ce que c'est caudale, mais c'est peut-être celle où je tourne justement. Alors, cette évolution vous permet de projeter une boule de poison dans votre queue lorsque vous réalisez une attaque caudale. Ah, c'est peut-être celle où je donne un coup de queue justement. 6 passives, 10% de vitesse max. Ah oui, donc j'ai plus 10% de vitesse max, 20% de vélocité du projectile, portée du projectile, vitesse de nage. Projecteur foudroyant. Donc si je fais une attaque caudale, je lance une vague d'électricité infligeant 4 points de dégâts et plaçant un marqueur d'immobilisation toutes les cibles situées dans un rayon de 30 mètres. Une cible est immobilisée lorsqu'elle cumule 10 marqueurs d'immobilisation, les marqueurs sont retirés, blabla. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme autre truc? Donc j'ai osseux et bioélectrique. Et actuellement j'ai bioélectrique qui est monté très haut. Alors j'ai aussi corps osseux et bioélectrique. Pour l'instant ça me rapporte 25 de chaque. Brise os vous transforme en bélier osseux qui vous permettra de briser les bateaux comme s'ils étaient faits de verre. C'est bon en avant, infligez 40 points de dégâts à toute cible située dans un rayon de 2 mètres. Ça c'est trop fort. Ah non, 2 mètres c'est pas beaucoup. Je me disais que c'était 40 mètres. Vitesse du bon en avant, vitesse max, bonus d'accélération, bonus de frappe. Alors, résistance aux dégâts de projectiles, aux dégâts électriques.
Vitesse de banc en avant, vitesse max, bonus accélération. J'ai envie de prendre un truc qui me permet d'aller vite. Est-ce qu'il y en a un qui booste la vitesse? Oui, c'est l'ombre. Ça, ça force, ça, ça augmente ma puissance brute, on va dire. Et ça, ça permet de... Un peu en marqueur d'immobilisation, on a vu que c'était très très fort. Ouais, mais pour les attaques caudales, ça m'intéresse moins. On va prendre la queue de l'ombre pour avoir la vitesse max augmentée. Et on va la faire évoluer. Qu'est-ce que... améliorer, oui. Mince, je suis en train d'améliorer l'autre maintenant. Que de l'ombre, niveau max. Ok. Alors, résistance aux dégâts, dégâts de frappe. Résistance aux dégâts et vitesse d'esquive. Ouais. On va rester sur cette queue là en attendant. On va rester dans la grotte le temps que la recherche se termine. Even for sharks, it's important to create personal time for sober self-reflection. On respire beaucoup. Alors, que bioélectrique. Donc le bioélectrique, c'est l'infamie qu'il faut que je monte. Et je crois que c'est ça qui rapporte le truc de l'ombre. C'est les points de repère. Et j'en ai pas terminé beaucoup. J'ai terminé ceux de Sable Prospère. Ceux de Bayou de Faoudic. Et c'est tout. Alors que par exemple, Rivage Doré et Lac des Chevaux Morts, il me manque un. Et... ah, je sais où il est sur Rivage Doré, je pourrais aller le choper. Ouais, on n'est pas... mais pas pour l'instant, on n'est pas en déficit de puissance. On va continuer les quêtes tranquillement. Salut Chava. Chava est un chat? Peut-être un chacalot? Non, c'est un cachalot. Ah, il y a quand même chat dedans. With little fanfare, another bounty hunt comes to a close. C'est juste à côté. Ah, c'est des gens sur un bateau. C'est peut-être un chalutier par contre. C'est ça? Chalutier, tout à fait. Alors, disons qu'il est tout seul. Donc ça va pas être trop dur. For our crew to earn the shark hunters' trust, to convince them we were not insurance investigators questioning their disability claims. Je vais encore monter en infamie s'il m'envoie toujours des méchants. Ah, méchant, c'est relatif, bien sûr. Ça dépend du point de vue. Ah, rongeur chasseur d'élite maintenant. Ah, ça dépend. Thank you.
trucs à faire plus haut. On va prendre peut-être un rallongé plutôt qu'un raccourci. Humans' attention spans are short. They've already forgotten about the shark and her many crimes, so thus ends the bounty. Ah là, on a la piscine fermée. Ah, il y a plein de trucs. Ce qui m'importe, c'est quand même d'aller traquer ma proie suivante. Oh, elle est jolie ma queue. Pas à ne pas sortir de son contexte, merci. There would have been more protests surrounding Prosperity Sands were not the public already so numbed about ecological concerns in general. Due to Caviar Key's increased coastal exposure, storms that had a minor impact 3 decades ago caused significant flooding today. Aha. C'est l'espadon? Non, c'est le marlin. Oh là là. Pas grave, les deux, je les dévore. À chaque petit œil si besoin. Coquillage et crustacé. On va repasser par. On va pas repasser par le même endroit justement. On va prendre classique. On essaie de passer moins de temps hors de l'eau ou pas d'ailleurs. Ah, je suis retombé dans un autre lac. Bon. Ah. En fait, finalement, j'en ai fait plein, plein, plein des trucs de caviar. Having evaded justice for her heinous crimes, the shark is now the subject of a bounty. Je sais pas s'il va en avoir dans ce lac là. Après tout, c'est un lac fermé. Maybe I don't know how to properly stock and manage a fish pond, but it's a learning process. On dirait un terrain d'entraînement. On va pas recroquer, sinon ils vont m'en vouloir. Non, visiblement les bateaux ils savent pas comment rejoindre cette zone. Tant mieux, ça m'arrange. Si ce n'est qu'ils sont du côté des tortues. Allez, vous avez la mémoire courte, c'est bon. The hunt ends. But this is a mere pause in the eternal struggle between man and nature. Ils m'ont repéré, ils m'attaquent. Je pensais que j'étais bon. Bon, s'ils m'en veulent. Bon, y a plein de tortues. Là, c'est la bonne nouvelle. Sharks typically have 4 motives: hunger, mistaken identity, aggression, and self-defense. But what if there's a fifth, such as a life insurance scheme? Qu'est-ce qui m'attaque? On croque les tortues, et une fois que c'est fait, c'est bon. On va aller sur la plage d'à côté. Puisqu'ils m'en veulent. Autant en profiter pour faire des bêtises maintenant.
Avant, je croquais un humain, deux si j'avais le temps avant de plus avoir de respiration. Maintenant, j'en croque 8. To look at the coast is to recognize that the boundary between sea and land is transitory, and that all life on Earth is just a cosmic accident. Give you no scholarships for winning no big air rail jam. Ils savent pas comment m'atteindre. Dommage pour les pêcheurs. Les chasseurs. Ah, j'ai même pas la place pour m'enfoncer dans l'eau. Sérieux, j'ai pas la possibilité de m'enfoncer dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y a ici? Notre bassin plus profond. It's another unsuccessful shark hunt for the people of Port Clovis. Requin marteau chassé. Ah mais il est niveau 18. Pas mal finir pour lui là. Raison, ça vaut pas un clou. Il me rapporte 1000 de chaque, j'avais pas tiqué. C'est pour ça que j'ai énormément de score aussi. Caviar, est-ce qu'il me reste des trucs à faire? Tuer le prédateur suivant. Très bien, où est-il? Ici. Reine tueuse. C'est parti. Ouais, j'ai l'impression d'être capé à 30 en niveau. Je comprends pas pourquoi il y a du coup organe niveau 35 et tête. Ah, c'est peut-être juste que j'en ai pas des têtes. Nécessite la truth scan et d'être niveau 35. J'ai sûrement pas encore fait la truth scan. Oh, un alligator. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Qu'est-ce qu'il est petit, dire qu'avant il était plus gros que moi. J'ai l'impression d'avoir une queue de sirène. Comment ça? Ah, du calme. Je ne fais que passer. Peut-être qu'il faut que je passe par là. Peut-être pas. C'est où l'endroit où je vais aller? Si. Ah, peut-être. Qui sait? Je pense que je vais me retrouver dans un des deux bassins. Peut-être aller suffisamment loin. Oh. The white and black attack. The orca. Ça fait peur. Ah oui, sauf que la musique d'attaque et tout, mais moi je suis aussi elle est dans les couloirs, d'accord. Orc suprême. Two aggressive ocean predators encounter each other. Anything can happen. Oui, non, elle était dans la grande piscine. Ouais, je pense que c'est pas mal de garder les dents électriques. Ça l'assomme à fond. Sinon, je pourrais miser sur la vitesse, mais. Je peux garder les dents électriques et mettre le reste du corps pour autre chose. Orcas
Once the featured attraction at marine mammal parks, now have a new favorite trick, killing things. C'est quoi la suite alors? Ah, faut que je commence dans la progression du golf. Ah, donc j'ai fini. Maintenant j'ai une tête, je pourrais la mettre. Quai à caverne, donc j'ai fini. Maintenant je suis à golf. Le golf, très bien. Et c'est notre dernier point d'avancement sur le scénario. Alors, vengeance. Donc, trouver la grotte, c'est fait. Vengeance, chasser, contrôle la population. Prédateur, progression. Progression, ça va être relativement facile à mon avis. Vengeance, déverrouiller 5 humains. Très bien. Mais on s'attaquera au golf dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. C'est un miroir, ça? C'est une paroi en verre, en tout cas.